Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit programme biceps avec l'élastique. Enfin, on reprend les programmes sur cette chaîne. Alors, là, je suis obligé de te dire, avant de commencer cette vidéo, l'élastique, c'est pas un outil qui va te servir pour gagner du muscle, pour construire du muscle, d'accord? Tu vas pas devenir un titan grâce à ça, c'est important. C'est pas une haltère et ça remplacera pas une haltère. L'élastique va te permettre de bien ressentir tes muscles, avoir une bonne congestion et aussi faire des mouvements corrects, d'accord, et efficaces. Ça peut t'aider en musculation un tout petit peu, tu peux construire vraiment un tout petit peu de muscles, mais c'est pas ça qui va te faire avoir un 50 cm de tour de bras ou un 60 cm de tour de bras, d'accord? Il faut bien le garder en tête. C'est un complément à la musculation. Mais nous, on va se faire un programme assez difficile. On va pas se faire un truc facile. Donc, si t'as un élastique, prends-le quand même et fais ce programme avec moi parce qu'avec ça, tu vas vraiment bien sentir tes biceps. C'est le but. On va pas s'amuser avec ça. Ce programme, il est intéressant. Si t'es en vacances, d'accord? Tu sens que tu vas aller à la mer ou tu vas aller en ville et que tu vas mettre un débardeur. C'est important. Prends ton élastique. Fais ce programme parce qu'avec ça, tu auras une congestion garantie pour toute la journée. Et quand tu vas prendre ton petit dessert, la congestion, elle va revenir, d'accord? Donc, c'est important. Prends ton élastique, prépare ton eau, tes BCA et on y va. Je précise, le temps de repos et les temps de repos des exercices seront très courts, d'accord? Donc, sois prêt. Repose-toi avant de faire la séance et quand tu rentres dans ta séance, t'es dans ta séance, t'es avec moi jusqu'à la fin. On n'abandonne pas, c'est important. On a des objectifs à atteindre et on va les atteindre. Hop, avoir une bonne congestion en musculation, c'est important parce que ça t'aide à voir où tu en es exactement au niveau de ton physique. J'ai un peu perdu du bras, mais normalement, avec la congestion, on pourra voir où j'en suis, si j'ai perdu ou pas. Donc, le truc à faire avec l'élastique, pour le premier exercice, parce que c'est un petit enchaînement. Hop, c'est de mettre l'élastique, hop, en dessous la chaussure, tranquillement, de mettre sa main comme ça et de faire du curl. On va en faire 10 comme ça. On va mettre, hop, l'élastique dans l'autre pied, 10 avec l'autre. On va mettre les deux pieds en dessous de l'élastique et on va faire 10 avec les deux, ok? Histoire de bien stimuler le biceps. Temps de repos très très court, ok? Un truc intéressant que j'ai appris durant mes vacances, c'est que, hop, quand tu fais le curl avec les deux, ok, tu mets tes deux pieds, je mets les deux pieds en dessous de l'élastique, tu fais ça. Attends, ouais, tu vois bien la caméra. Tu fais ça. Attends, je retire mon pied. Ça te fait un espèce de truc comme ça, tu vois. Tu prends ta main, tu le roules dans l'élastique. Et quand tu remets ton pied dedans, ça te fait un bon curl, tu vois. C'est comme si que tu faisais un pupitre en salle de muscu. C'est une machine où tu as deux bandes incurvées, tu vois. Et ben là, tu as des bonnes sensations pour les biceps. Et franchement, avec ça, c'est cool. Je te montre juste le tuto. Hop, ta corde, elle est comme ça. Tu fais ça. Tu fais une espèce de, tu vois, tu fais un truc comme ça. Je ne vais pas dire, sinon je serai démonétisé. Et après, hop, tu fais ton curl tranquillement. Mais c'est bien pour les deux. Pour le solo, c'est un peu bizarre, d'accord? Donc, on va se faire ça tranquillement. Allez, c'est parti. On va se faire 5 tours tranquillement. Hop, fais ça avec moi. On y va pour le premier. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9 et 10. Tu vois, le premier, il est tranquille, mais tu verras, t'inquiète, tu verras. Une, deux, trois, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On met les deux pieds, hop, en dessous. On fait la technique de Dams pour avoir, hop, l'élastique bien, je te laisse le temps de le faire tranquillement et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et 10. Très bien, hop,
J'y mets mon petit trait. Si tu veux boire un peu d'eau, bois un peu d'eau tranquillement. Et je compte 5, 4, 3, 2, on se prépare. 1, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, l'autre. Hop. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On met les deux pieds sur l'élastique. On fait la technique de Dams tranquillement. Hop, je te laisse un peu de temps pour que tu la fasses. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, je mets mon deuxième trait. On est good. Je te laisse boire de l'eau. Si t'as envie de boire de l'eau, je prends ma petite gorgée aussi. Ok. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Juste une chose à dire. Là, on est à la deuxième, d'accord? Pour la troisième, on va plus faire ça, ok? Tu vas prendre l'élastique un tout petit peu en dessous, comme ça. Ça va être plus dur, mais c'est ce qu'on veut. Et le mouvement, on va le faire en marteau, d'accord? Comme ça et comme ça pour l'autre. Mais le dernier mouvement, il change pas. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, l'autre pied. Si c'est trop facile, on descend légèrement plus bas. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et si c'est trop dur, on remonte légèrement. Hop, on fait la technique tranquillement pour bien, hop, voilà. Je te laisse un peu le temps de le faire et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Je mets mon troisième trait. Il en manque deux. Là, mes biceps, ils commencent vraiment à être en feu. C'est très, très bien et c'est ce qu'on veut. Ok. Ouh. On a 3. On est bien. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Pareil. On prend un peu bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Super. Hop, on fait la technique tranquillement. Hop, voilà, je te laisse un peu de temps. Et on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On est à 4, il en reste une. Hop, le trait est mis. Je vais boire une gorgée. Là, tu vois, là, ça commence à faire mal. Ça commence à bien conditionner, je vais voir au miroir comment je suis. Ouais, là je commence à être bien, je commence à être vraiment bien conditionné au niveau du biceps. Et c'est ça qu'on veut, c'est important. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est la dernière. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, et 10. L'autre. Il n'y a pas de douleur ici. On y va.
Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, très bien. Hop, les deux. On fait la technique tranquillement. Hop, voilà, je te laisse le temps de le faire. Et on y va. Une, deux, c'est la dernière. Trois, allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. Ouh. Là, on est bien. Bien congestionné. Ça fait plaisir. Je me sens bien. Tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Deuxième et dernier exercice parce que oui, c'est un programme très court mais intense et efficace sur de la congestion. Ok ? Alors, on va prendre l'élastique. On va toujours faire la technique bizarre, d'accord ? Pour celui-là, premier exercice, tu as deux possibilités. Soit tu prends en prise plutôt large, tu mets tes pieds en dessous, ou alors en prise plutôt serrée, d'accord ? Moi, je fais une prise plutôt serrée. Prise serrée, ça va travailler, hop, le pic du biceps. Prise large, tu auras un biceps un peu plus rond, d'accord ? Donc, si tu as un retard au niveau du biceps, travaille plutôt en prise large. Si tu as un bon petit biceps, mais tu as un biceps un peu plus pointu, ou si tu travailles la colline, eh ben, prends la prise serrée. Et moi, j'aime travailler la colline, ok ? Donc, hop, on met les pieds en dessous, je fais ma technique tranquillement, celle que je t'ai apprise. Hop, voilà, et je reste en prise serrée. On va se faire mal, d'accord ? On va se faire mal. On va faire 5 fois 10 répétitions, mais au ralenti, d'accord ? Enfin, au ralenti, on va faire, hop, une rep, et on va descendre. 1, 2, 3. 3 secondes à la descente. Ça va faire mal, ça va congestionner, mais c'est ce qu'on veut, les mecs. On veut des gros bras. Avec l'élastique, on peut être bien congestionné. Et j'ai pas trouvé meilleure méthode comme ça pour se faire mal et pour bien travailler avec l'élastique. Allez, on y va. Hop. 1, 2, 3. 1. Allez. 1, 2, 3. 2. Allez. 1, 2, 3. 3, 3, allez. 1, 2, 3, 4, allez. 1, 2, 3, allez. 5. 1, 2, 3, allez. 6. 1, 2, 3, allez. 7. 1, 2, 3, allez. 8. 1, 2, 3, allez, 9, 1, 2, 3, last, 10, 1, 2, 3, 3 secondes à la descente, ça fait super mal. Je mets mon petit trait, tranquillement, on souffle un peu et on va repartir bientôt, te repose pas. Le but, c'est de se faire mal, c'est de progresser et c'est évoluer. Avec moi, on se fait mal. On n'est pas là pour rire dans les programmes. Il y a d'autres vidéos pour rire, il y a des vidéos pour être concentré et il y a les programmes. Les programmes, on est là pour évoluer, on est là pour progresser. J'ai vu dans les transformations, dans les progressions, il y en a qui ont du retard, d'accord ? Le retard, c'est là qu'on le rattrape. C'est parti, on repart. Je te fais un petit décompte. 5, 4, 3, 2, 1... On y va. Allez. Hop. 1, 2, 3. 1. Allez. 1, 2, 3. 2. Allez. 1, 2, 3. 3. Allez. 1, 2, 3. 4. Allez. 1, 2, 3. 5. Allez. 1, 2, 3, 6. Allez. 1, 2, 3, 7. Allez. 1, 2, 3, 8. Allez.
Une, deux, trois, neuf, allez. Une, deux, trois, last, dix, allez. Une, deux, trois, ok. On est bien, on est bien. Je commence à transpirer, les bras commencent à être bien. Je vois un miroir, voilà, congestion, elle est pas mal. On a la deuxième, pour la troisième, on va se faire 4 secondes à la descente. Oui, 4 secondes. 3 secondes, ça fait mal, mais 4, c'est encore mieux. Tu construis pas du muscle avec les élastiques, mais tu peux déchirer des fibres musculaires, d'accord? Ça veut dire que si tu fais ça avant l'entraînement poids de corps ou avant l'entraînement biceps, tu seras bien, tu seras vraiment bien. Et le but, c'est de déchirer ces fibres musculaires pour qu'ils seront construits encore plus gros et plus forts. Je te fais un petit décompte tranquillement. Hop, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Comme je t'ai dit, 4 secondes à la descente. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, allez, hop, 1, 2, 3, 4, 2, allez, hop, 1, 2, 3, 4, 3, allez, hop, 1, 2, 3, 4, 4, allez, hop, 1, 2, 3, 4, allez, 5, hop, 1, 2, 3, 4, allez, 6, hop, 1, 2, 3, 4, 7, allez, 1, 2, 3, 4, allez, 8, 1, 2, 3, 4, 9, allez, 1, 2, 3, 4, last, dernière, allez, 1, 2, 3, 4, ok, très bien. Ouh. Là, je sens que les bras, ils sont prêts. Ils sont vraiment prêts. On a 3, on est bien. Un peu d'eau. Il nous en reste 2, d'accord? Il en reste 2. Comme je te dis, le but, c'est de se bousiller. C'est de se faire mal. C'est d'avoir des gros bras. T'as acheté un élastique, c'est pas pour rien. D'ailleurs, au niveau de la résistance, je vous conseille 35 kg, d'accord? Ou 25 si vraiment tu commences, ça fait mal et tout. Mais 35 kg, on est bon, on est très bon. Allez, je me replace. 5, 4, hop, 3, 2, 1. On y va, encore 4 secondes à la descente. C'est parti. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, hop, 1, 2, 3, 4, 2, allez, 1, 2, 3, 4, 3, allez, 1, 2, 3, 4, 4, allez, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 1, 2, 3, 4, 6, allez, 1, 2, 3, 4, 7, allez, 1, 2, 3, 4, 8, allez, 1, 2, 3, 4, 9, allez, 1, 2, 3, 4, 10, allez, 1, 2, 3, 4, ok. Hop. On est sur le quatrième. On se repose un peu. Si tu veux boire une gorgée, avec moi, bois ta gorgée. Par contre, c'est un entraînement où j'ai fait le malin, j'ai pas pris mes BCA. My Protein Good Tropical. Mais j'aurais dû les prendre. Franchement, après, je vais me prendre un peu de BCA. D'ailleurs, t'as moins 15% avec mon code DAMS, D-A-M-2-S, sur MyProtein. D'ailleurs, merci à tous ceux qui commandent. Pour la force, ça fait super plaisir.
Merci beaucoup. Pour la dernière, on va se faire 5 secondes. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes à la descente. T'as bien compris? 5 secondes. 3, ça faisait mal. 4, ça faisait mal. 5, ça fait encore plus mal. Mais c'est la dernière. Ok? C'est la dernière. Je m'en fous, je veux qu'on envoie. Je veux qu'on fasse les choses bien. C'est important. Donc, on se place tranquillement. Je te laisse un peu de temps. Et hop, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Off, 1, 2, 3, 4, 5, 1, hop, 1, 2, 3, 4, 5, on descend doucement et on triche pas. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, on triche pas. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça qu'on progresse. Allez, on a 3 là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 7, allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 8, allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 9, allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, last, allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, je m'en rajoute encore 2. Toi, tu peux arrêter, mais si tu veux me suivre, on y va. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dernière, allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Ouh. Je fais une petite raid validation. Hop. Ouh, là, je sens que mes bras sont bien. Je transpire, mes bras sont mouillés. La congestion doit être là. Je me regarde en miroir. Ouais, c'est incroyable. Là, je vois que mon bras, il est là, d'accord? Il n'a pas disparu. Même si ça fait une petite semaine et demie que j'ai pas fait de sport. Mais ça fait du bien de retrouver des sensations et déchirer ces fibres musculaires au niveau des bras. Bon, moi, j'espère que cette séance t'a plu. J'espère que tu as apprécié faire ce programme avec moi. Biceps aux élastiques. Si t'as aimé cette séance, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Rejoins le groupe Discord, d'accord? C'est important. De toute façon, le lien est dans la description. MyProtein, tu le sais, avec le code DAMS, eh ben, t'as moins 38% de réduction. Donc, je t'invite à faire un petit tour sur la boutique. Si t'as des trucs à acheter ou pas, des compléments, accessoires. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'd be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk.